Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons le royaume d'Odrysia. Alors, Sparte est venue nous embêter. Grand bien lui fasse, nous allons embêter Sparte. Ah oui, oh, on a réussi à... J'ai réussi, je ne sais pas trop comment par... Je ne sais pas trop par quel miracle, à bouter les fesses des Spartiates. D'Elminium. Ouais. Ouais. Comme un grand tout seul, les gars. Et ouais. Ouais, en vrai, j'ai eu de la chance, il y a eu un petit bug. Qu'il était le bienvenu, le petit bug. Hein. Ah ouais, qu'il était le bienvenu, le petit bug. Ça me permet de prendre Peya à 6000 en... 6000 en pillage. Peya, il y avait du pognon. Hein. Ah, vache. On va faire une petite zone agraire ici. Agricole, ouais. Là, on est bon. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu un incendie. J'avais zappé là. J'avais omis cette histoire. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Voyons voir, qu'est-ce que je peux construire qui serait intéressant? Ah bah oui. Tout ça là, ce serait intéressant. Le problème, c'est que je manque un peu de troupes dans le coin et j'ai peur. J'ai peur que ça pose problème à terme. Alors. Si on avait dit que ça allait être France Travail, Pôle emploi ici. Donc on va partir sur du moral et. Moral sur le. Hein, quoi? C'est tout? Non. Mais pas mieux, sérieux? Pas terrible, hein? Ah ouais. Ah, vraiment pas terrible hein, le recrutement avec ça, mais. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Hop là. Comment que ça se passe aux autres endroits? Là, oui, c'est vrai qu'on a mobilisé lourdes troupes. Les Lugiens qui sont de retour? Bah non. Je suis pas d'accord. Hein. Je suis clairement pas d'accord là. Ils nous ont bien cassé les bonbons. On va pas les laisser revenir comme ça. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié que j'avais un espion. Un espion qui n'espionne pas. Un espion qui vole. C'est pas pareil. Ok. Là, c'est pas le moment pour y aller. Athènes, alors, Athènes, on sait ce qu'ils attendent. J'avais. Non, j'avais pas de troupes. Oh mince. Oh, il y a du troupe à Navissos. Je vais en recruter quelques-unes d'ailleurs. Troupes de bonne cavalerie. Je vais voir si je peux aller piller Larissa. Oui. La réponse est... Servez-vous les gars. La vache. J'ai pas trop envie de développer ça. Hop, hop. Ouais. Ouais. Ordre public, on est bien. Ici, bon, c'est l'hiver. Non, ça va pas le faire en ordre public. Hein. Il est possible qu'en plus j'ai pillé et rasé la ville. Donc, ce qui n'aide pas du tout à se faire bien voir.
m'intéresse pas. Pacte de non-agression. C'est pas tant que ça non plus, hein. Les lames. C'est à moi ça? Oh, chier. Bon, on va les mettre en... dans un fort, sinon ça va poser souci. Alors on va se rapprocher très tranquillement, moins 10. Là ça donne quoi? Là ça donne que Epidamno c'est gratuit. Ça me donne que il y a un petit piège. It's a trap. Et il reconnaît cette situation. Et il reconnaît vraiment beaucoup cette situation-là. Donc je vais faire une position fortifiée. Et je vais voir si je peux replier un coup ici. Ouais. Un peu moins cher, mais oui quand même. Les gars, faites attention quand même à vos villes, quoi. Faites genre au moins, je sais pas, faites semblant. Hop, là on va partir sur une salle de réception pour augmenter un peu l'ordre public. Accès, non. Non, non, non. J'ai négocié un pacte de non-agression et un... Là. Et un... comment ça s'appelle? Un accord commercial, ça, c'est suffisant. Ok, il y a quelques unités de piqué, une unité de piqué, deux unités de piqué. Ça devrait le faire. Hein. Bon, en automatique, flemme. En automatique, on perd. Ah, mais j'aime bien les batailles défensives. Dans des forts. Hein? C'est quoi ça? Et ce c'est pourquoi il y a ça là? Là je crois que je suis en train de me faire bouffer par un moustique. What? Oh la vache! Aïe, les montagnes là, ils ont dit, ils ont incrusté ça. Ah ouais, est-ce que là, j'ai l'impression que c'est même presque une zone infranchissable. Bon. La cavalerie derrière. Là, je vais mettre mon infanterie. C'est pas une très très bonne unité donc on va vraiment les paquer. Non ça veut pas, oui si, voilà. Je sais pas du tout s'ils ont de la cavalerie ou que j'ai pas fait attention. Voilà, avec quelques lits de pierre coupante. Voilà, ça sera toujours efficace. Mais... je crois que je suis en train de me faire bouffer par un moustique, par les moustiques. C'est terrible. Alors, tac. Pardon. Hop, on va mettre quelques unités là. Et je vais éternuer encore. Ben voilà. Voyez leur laideur et leur fureur. Ils vous poignarderaient à la première occasion. Défendons nos ancêtres. Nous leur devons bien cela. À vos positions. Excusez-moi. Je vais fermer les fenêtres parce que
Mosquito, mosquito, ouais. Bon. Alors, et que voilà. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont 3 unités de cavalerie. Oui. J'ai oublié ça. 2 ou 3 unités de cavalerie là. Ok, bon, je vais décaler la mienne, je vais l'envoyer là tranquillement. Tout ça. Mon aide de garde. On avance mes archers là. Et je vais faire venir ces troupes là. Mon but est d'essayer d'attirer les tirs sur eux. Ça marche pas plus que ça. Si, ça va. Ok, on fait des dégâts. Ouh, on fait des bons dégâts alors, javelot. Ouais, tu me diras non. En fait, ils sont déjà esquintés. Donc nos flèches, elles touchent, mais sans plus. Ça va. Là ça va. Hop, vu qu'il y a de la cavalerie, je ne sais pas où est-ce qu'elle va aller. Je vais bloquer le passage avec une unité là. Une unité là, je vois que ces troupes là sont en train d'envoyer des projectiles sur mes unités là-bas, j'aime pas. On va aller. Watch, tcha 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 tcha. Ça fait mal les salves. Moi, je vais envoyer ma cavalerie là-bas. Hop, on va arrêter de faire monter là. Ils ont pris suffisamment de dégâts là. Oh oui. Ouais, je suis bien fait dans. Pourquoi ils sont traviole comme ça alors que je leur ai demandé d'être comme ça là? Et un délire, hein? Arrêt civil. Oui. Charger là. On est armé de lance, donc en théorie, on est censé avoir un petit peu d'avantage contre la cavalerie quand même. Surtout la cavalerie civile qui est là. La cavalerie un peu pourrie, hein. Faut dire ce qu'il est, faut dire les termes. Ça, c'est de la cavalerie de mêlée, tiens. Je pourrais l'envoyer sur. Sur la cavalerie là-bas. De la cavalerie de mêlée également. Oh, attendez. On va faire ça. Je vais mettre le feu à ça. Ça c'est toujours une valeur sûre, ça. Hop. Hop. Allez, mettez-y un bon feu. Waouh, ah oui, ça crame bien. Hop. Eh, c'est qu'il avance le salaud, hein. Oh, j'ai des bonnes pertes, mine de rien. Sur 2 unités, j'ai de grosses pertes, hein. Bon, ce que je vais faire. Je vais sortir mes unités là de d'archer. Je vais envoyer cette unité là et cette unité là en renfort. Là, ça se passe tout seul. Mes unités d'archer, je vais aller leur dire de tirer sur le côté là parce que on a de grosses pertes mine de rien là. Il y a 2 unités qui subissent de grosses pertes. Je vais pas charger avec ma cavalerie. Quoi? Ils ont des projectiles. Ah ouais. Je savais pas. J'apprends quelque chose, les gars. Ils ont des piquets qui me. Même pas. Ah si, là. C'est eux qui devraient m'embêter, là. Bon les gars, ça va oui? Vous voulez pas sortir encore plus, non? N'importe quoi.
S'ils sont bloqués là-bas, vous les laissez là-bas, hein. Ils vont prendre des dégâts. Ouais, j'ai une unité qui fuit. Bon, elles ont raison. Il faut que je fasse un maximum de tirs avec peu de temps parce que là-bas il y a des troupes ennemies. Ouais, en plus, ah, ils ont l'avantage. Ah, ils ont l'avantage en plus de la hauteur. Ah, c'est terrible ça. Je peux même pas les faire charger. Pas si facile que ça, cette défense. Je vais peut-être me mettre là quand même. On va peut-être me garder une petite troupe dans le coin. Hop là, je vais essayer de planquer entre guillemets ce mini planqué là des troupes. D'ailleurs, ils ont la portée là, ça eux. Alors, feu à volonté ou pas feu à volonté? Pas feu à volonté. Feu à volonté à partir de là-bas. Putain, je les ai même pas mis en feu à volonté quoi. Là, je vais quand même... Non, bah non, bah super, ils ont fui. Ah. C'est eux qui prennent. Bon, bah planquez-vous. Ils sont en train de fuir là, vraiment? Ouais. Bon, tant mieux. Le feu à volonté là, ça ne sert pas à grand chose. Là où ils sont planqués, c'est très bien. Ouais, j'ai quelques unités qui ont pris cher, donc je voudrais éviter qu'elles prennent encore plus cher. Oh bah lui là, oh bah lui il a pas compris. Hein. Il a pas compris que c'était pas l'endroit où être. Endroit où il fallait être. Voilà. J'ai bien... Super. Bien placé de côté. J'ai mon général. Il va être bien également. Hop, on va renforcer nos lignes qui sont assez affaiblies, mine de rien. Pas de bonnes unités au corps à corps. Et là je vais aller chercher les frondeurs ilotes. En faisant mine de poursuivre les quelques unités fuyards là. Par contre là les gars si vous sortez. Si vous venez par là. Oh, vous en faites pas que vous allez être accueilli. Hein. Oh, que oui. On va les faire tourner en bourrique. Oh, bah, ils ont déjà tourné en bourrique. Ils ont perdu la tête. Allez, accélérons. Ok, vous voulez partir par là? Bah, très bien. Hein. Voilà. Si vous avez vraiment bien fait de partir par là, mais pourquoi pas. Hop, allez hop. Allez-y les gars, c'est gratuit. Bon, c'est bien. On s'en tire. Pas terriblement bien. On a eu pas mal de pertes. Mais. Si on prend en compte. Qu'on est quand même en train de se battre contre Sparte en début de partie, c'est fort. Je trouve que c'est une bonne victoire, infériorité numérique contre Sparte, en défensive certes, mais vu nos unités,
Nos unités de corps à corps face aux hoplites et piquiers. Plutôt contre. Allez, je relâche. Toujours une question d'or et d'argent. En prenant Epidamnos, Athènes devrait reculer. Ça m'enlèvera une bonne pine. Une bonne pine. Oula. Une bonne épine. Du pied. Wow. Oula. Il y a peut-être eu un. Un petit loupé là. Non, non, attends. Ce que je voulais dire. Voilà. J'ai commis un ordre public. 36. Je pense que je peux me permettre de raser. Ça passe. Ah, ouais. Vous savez, c'est ma première province, les gars. Épisode 3. Aïe, ah ouais. Disons que. Donc j'ai pas vraiment pu aller là où je voulais aller à chaque instant quoi. Pillage, petit pillage, mais c'est fou hein. C'est génial, c'est la caverne d'Ali Baba, c'est génial. Ah oui quand même. Sur combien? 18. Oh. Oh, je crois que je l'ai vu le mosquito. Je crois que je l'ai vu celui qui se fout de moi là, depuis tout à l'heure. Bon, tant qu'à faire, allez prendre, hein, de toute façon. Ils nous ont bien cassé les bonbons pendant un paquet de tours. Pillé. Oh, oui, pillé. Toute façon. Je vous le dis, hein, quitte à avoir de la perte, tant pis. Hein. Quitte à avoir une rébellion, je veux dire, autant tout faire. Oh merde. Ah, c'est pas la même région. Ah, j'avais. Ah bah, j'avais pas prévu ça. Ah, j'ai possiblement pas prévu ce cas de figure. Oups. Oui, bah, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Belles, quoi? Ah oui, c'est vrai que j'avais déconné sur. Sur ce général. Là, en théorie, on a de l'ordre public, mais c'est juste à cause de la maladie qu'on a moins d'ordre public. Et là, on va faire à manger. Donc, on pille Larissa. Alors, pillage sur pillage sur pillage. Je vais faire pareil pour Apollonia. À un moment, on va y avoir des séparatistes. Hein. Enfin, pas des séparatistes, mais des rebelles. Ça va lui faire bizarre. Hein. Non, je vais prendre au moins la Macédonia. Hein. Oui. Mon but est de bien m'entendre avec lui. De bien m'entendre avec lui, pardon. Non. Oula, attends, va falloir que j'aille le récupérer là. Moi qui s'entendent mal avec quelqu'un, ça martyre. Alors de publiquer, oui. Ah, rébellion imminente, ça veut dire qu'ils sont pas en rébellion encore. Oh. Une faction émerge, Nova Carthago. Ah ouais? Ok. Ouais, on va. Rebelle épi. Bon, on va laisser se débrouiller avec les rebelles. C'est plus drôle comme ça. Bon. On va raser parce qu'au bout d'un moment. Alors, mon truc c'était, je voulais m'amuser avec. Je voulais qu'ils s'amusent avec les rebelles, mais. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ah oui. Ouais, oui. Oh. Ouais, bah t'attends.
Mais je vois les jets qui arrivent. Je me dis, il va peut-être falloir s'en occuper, hein? De Sparte. Apollonia, là. Ah, mais j'ai plus de déplacement. Bon, bah, ce sera le tour d'après. Le tour prochain, mais enfin, voilà, vous avez compris. Navissos, on est bien. Bon, il y a du monde signe. Ça, c'est Gesticar, on verra. Ah, ouais, les Arabis. Ah, ouais. Mince. Ok, ils sont pas mal étendus. Je compte, tout à l'heure, je vois. J'ai mis mon micro à moitié devant mon écran, j'étais en mode putain, je vois pas. Je vois pas bien, je comprends pas. Les Boyens. Oui. Corps commercial, je refusé. Na. Na. Il y aurait une petite rébellion voiture, non? Bah 99 et 0. Ah, je t'arnaque. Et là, c'est pas fait exprès, hein. Encore, il y a des moments où je peux vous dire c'est fait exprès, mais alors là, non, c'est pas du tout fait exprès, hein. C'est pure arnaque, quoi. Oh. J'étais persuadé, bah c'est pour ça que j'ai emmené mes troupes. Ah. C'est peut-être le fait d'avoir mes troupes justement qui sont descendues. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'ai pas une troupe pas trop loin, en général, ou un truc comme ça. Ouais. On va se rapprocher tranquillou. On va se rapprocher tranquillou, on va surtout faire une embuscade tranquillou. J'aimerais bien aller piller Sparte, mais je suis pas sûr de pouvoir revenir. Au vu de la vitesse de déplacement. Par contre, je pourrais prendre Athènes. Mais Athènes, ils sont pas des troupes planquées quelque part, là. Ça me paraît bizarre. Athènes, pour moi, ils ont de la troupe planquée quelque part. Je veux pas faire de bêtises. Donc on va faire attention à la manière dont on va se déplacer. Navissos, oui, voilà, je voulais défendre Navissos. Encore? Je peux encore améliorer, mais je viens de le faire. Bon, tant mieux. Peia, elle va pas tomber comme ça. Épidamnos, là, normalement. Ça devrait le faire. Là, je sais pas si je l'ai porté. Pacte de non-agression. Non. Ah non, non, tu es une de mes cibles. Hein, donc, voilà. Non, mais ça fuit. Oh. Embêtant lui. Voilà, bon, au moins. J'ai plus à m'en faire de lui. La question maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de ses troupes? Lui, il peut pas bouger même en marche forcée. Envoyer à Polonia. Hein. Et eux, là, je vais les envoyer là-bas à Larissa. Deux tours? Bah merde. Bon, j'ai envoyé à Péa, hein. Deux tours. N'importe quoi. Ok, on va retourner là. Là, on est bien. On va sécuriser un petit peu ces domaines-là qui sont tranquilles pour le moment. La tribu, ouais, ça pourrait être bien ça. De l'ordre public parce que c'est un peu bancal et en plus là j'ai des bons revenus. Là j'ai vraiment de bons revenus. J'ai 5000 par tour. J'aime bien. Ouais voilà, Athènes ça revient.
Athènes, ils ont compris. Tout le monde à Athènes, les gars. On a un petit souci. Non, quand t'as les rumeurs, c'est dommage, ça coûte cher. Larissa, ah oui, je peux améliorer mes cavaleries aussi, ça c'est bien. Tomber à Polonia. Comme ça, on aura l'entièreté de la Macédonia. Ah, j'ai pas de centre sacré. Ok. T'oublies de ma part. C'est quoi, je vais l'emmener à Athènes, lui. Hein. Ok. Ouais, on est bien. Tu peux faire 200 avec eux? Ah non. Ah ouais, non, bah non, ouais, non, pas du tout même. Ah, je t'ai persuadé. Oh merde. Oui, bah, ce sont des choses qui arrivent. Non. Toujours pas. Oui. On peut ouvrir un peu de commerce s'ils veulent. Agriculture, industrie, on est encore en automne, on va faire l'industrie. Larissa. Oui, bah oui, forcément. En même temps, j'aurais un peu pied sur la tronche, je sais pas combien de fois. Je peux comprendre qu'il soit pas trop content, quoi. Hop, direction Sparte. Ah. Y a de la garnison? Oui. Ça devrait aller. Alors. Ah oui, j'ai la Macédonie, mais oui. Non, c'était ça. Ouais, ça fait cher. Fait cher, mais ça me rapportera aussi après, donc bon. L'ordre public, voilà, comme ça, l'Illyria. On sait que ça me rapportera un minimum. Un minimum. Non mais bon, le courroux de Sparte, enfin c'est le courroux qui a provoqué Sparte en fait, hein, c'est comme ça. Eh ben, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, les belles améliorations. Et moi, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Encore merci à tous d'avoir suivi, c'était Job.